Donc ça y est, c'est la fin de la journée, ça a été intense, beaucoup d'émotions. J'ai vécu un moment hyper fort avec tous les élèves. J'ai fait 2 conférences le matin, ça a été impressionnant de voir les élèves encore une fois aussi intéressés sur le handicap et ça m'a fait encore une fois super plaisir. J'ai fait des rencontres aussi avec des élèves parfois touchés par le handicap mais aussi touchés par des difficultés dans leur famille, etc. Et c'était vraiment un super moment de partager avec ça, donc je voulais vraiment te remercier Laurence et remercier tout le lycée d'avoir organisé une nouvelle journée comme l'année dernière. J'ai passé franchement une journée magnifique. Encore une fois, et en plus de ça, l'après-midi, on m'a annoncé plein de belles nouvelles. Cadeaux. Apparemment, on a de nouveaux projets ensemble. C'est voilà. Génial. Donc après, bah, effectivement, Théo, tu as eu 2 propositions cet après-midi. Donc au lycée Stanislas, le gymnase va s'appeler gymnase Théo Curin, avec la citation donc fait de ta différence une force. Et puis on a demandé aussi à Théo, qui a accepté d'être l'ambassadeur du lycée Stanislas, et donc il va nous soutenir dans tous les projets qu'on va faire, puisque le projet sur le handicap et la différence va se poursuivre chaque année au lycée Stanislas. Et donc on travaillera ensemble. Bien évidemment. Voilà, et c'est vraiment magnifique. Et la journée, je pense que les retours vont se faire aussi ce soir sur les réseaux. Ouais. Et les élèves sont très très contents. Nous, on est vraiment émerveillés de t'avoir. Tu es une petite lumière. Voilà, tu es une personne exceptionnelle. Et je l'ai tout de suite ressenti dès la première minute que je t'ai rencontrée. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était incroyable. Ouais. Super journée. Ouais, merci beaucoup. Je pense que ce qui est hyper important, c'est l'amour aussi avec les uns les autres. Je pense que si on vivrait dans une société pleine d'amour, ça irait beaucoup mieux. Donc aimez-vous les uns les autres, n'importe quoi. Quoi qu'il puisse nous arriver, même si on est différent ou des choses comme ça, soyez fiers de vous aussi et croyez en vos rêves.